Je dirais que c'est un public intransigeant quand même. Ouais. C'est un public très très exigeant qui demande d'être très concentré sur le spectacle. Ils ont une intelligence, une sensibilité qui leur est propre, puis on voulait vraiment aller à la rencontre de ça. Poisson papier, c'est un spectacle immersif, participatif, dans lequel les enfants sont complètement invités à venir bouger avec nous, les danseurs. C'est un atelier de musique pour les bébés avant la marche. J'ai envie de dire que ce sont des moments musicaux privilégiés. C'est un spectacle multidisciplinaire qui allie la musique, des cranky box et la marionnette. C'est une petite odyssée marionnettique et musicale. C'est une traversée de la palette des émotions. Un basilic géant, une chauve-souris cyclope et un dauphin requin. Les enfants sont des personnes extrêmement sensibles à leur environnement. Je pense que l'art, ça vient un peu paramétrer cette sensibilité-là ou la diriger. Avec les doigts, parce que en bas et cou. Oui. On n'est pas un tout petit, ça cloisonne pas. Donc l'art, c'est ce qui va permettre vraiment d'ouvrir les sens. C'est ce qui va permettre d'ouvrir aussi la communication. Pour moi, quand on fait de la place pour l'expérience artistique des enfants, à travers leur découverte, on redécouvre le monde.